Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tulsi Maharaj Bhakti Vedantai, Shishi Gauranga Nithai Gosai Ki Jai, Shri Guru Parampara Ki Jai, Saraswati Guru Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Tut Klava Deva Sankhya. Om Ajnanat Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Ratha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Ratha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Rathe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Cha Atitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gurvakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Karuna Steva, Nasteva, Nasteva, Gatiranyataha.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam et si je ne me trompe pas, aujourd'hui on est 4e chant, 24e chapitre. Verset 63. C'est ça? On regarde. Verset 63. Vam eka adhya purusha supta shaktis taya raja sattvatamo vipyate Mahan aham kam marut agnivar dharam surar shayo bhutagana idam yataha. Traduction. Traduction. Ô Seigneur, tu es l'unique personne suprême, la cause de toutes les causes. Avant la création de l'univers matériel, ton énergie matérielle était à l'état latent. Lorsqu'elle est mise en mouvement, alors les trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance, entrent en action, ce qui entraîne la manifestation de l'énergie matérielle globale avec le faux ego, l'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre, ainsi que tous les devas et les saints personnages. C'est ainsi qu'est créé l'univers matériel. Tenor reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Si la création dans son ensemble est une, c'est-à-dire qu'elle n'est rien d'autre que le Seigneur suprême ou Vishnu, pourquoi les spiritualistes accomplis distinguent-ils des catégories telles qu'on est? On les trouve dans les versets ci-dessus. Pourquoi les doctes érudits font-ils une distinction entre la matière et l'esprit? Pour répondre à ces questions, Shiva explique que l'esprit et la matière ne sont pas des concepts inventés par divers philosophes, mais des énergies manifestées par Sri Vishnu, comme l'explique ce verset « Tvam eka adhya purusha ». Les catégories matérielles et spirituelles sont rendues possibles par le Seigneur souverain, mais en réalité, ces distinctions n'existent pas pour les êtres qui se sont éternellement voués au service du Seigneur. L'univers matériel n'existe que pour ceux qui souhaitaient imiter le Seigneur et tout s'accaparer pour leur propre plaisir. En fait, l'univers matériel n'existe en tant que tel que pour ceux qui oublient la personne divine originelle, le créateur de toutes choses. La distinction entre la matière et l'esprit est créée par l'énergie latente du Seigneur lorsque celui-ci veut donner à ceux qui le désirent l'occasion de l'imiter dans ses divertissements. C'est pour eux seuls que l'énergie latente du Seigneur crée l'univers matériel. Par exemple, quand on présente une personne ordinaire dans ce monde matériel, on commence à dire, voilà, c'est mon professeur, par exemple. Il est d'origine croate, il est marié, il a 4 enfants, il habite à Paris, etc. Très peu de temps après, on s'arrête parce qu'on ne sait pas quoi dire après.
Nous-mêmes prenons les êtres de ce monde qui sont très très connus, comme Pablo Picasso, Léonard de Vinci ou Albert Einstein. Même si on raconte leur vie, chaque mouvement de leur vie, il a tourné la tête à droite, après il a tourné la tête à gauche, etc. Bon, ils ont vécu, imaginons, 100 ans. Et chaque chose est décrite. Mais, et après, ça s'arrête. Donc on ne peut plus continuer d'écrire cette personne, parce qu'on a tout dit sur cette personne. Tandis que quand on parle de Seigneur suprême, nous pouvons raconter de lui des heures et des heures, des siècles, une éternité. Pourquoi ? Parce que ses divertissements ne s'arrêtent pas et il est toujours nouveau. Et tout ce qu'il fait exister, existe et va exister. Et pour cette raison, chez Shanaga, une des manifestations du Seigneur suprême sur lesquelles Mahavishnu est allongé, il n'arrête pas avec ses infiniment de têtes, il n'arrête pas à décrire ses noms, ses qualités, ses divertissements, mais ça ne s'arrête pas. Srimad Bhagavatam dit que les actes de Seigneur, c'est comme les vagues dans l'océan. Quand on était en Espagne récemment, quand j'ai regardé la mer, ça m'a rappelé ce verset. Et j'ai dit, c'est vrai, chaque fois quand la vague arrive, tu dis, bah, c'est fini, il y a une autre qui arrive. Voilà, c'est fini, et ça ne s'arrête pas. Ça va tout le temps, tout le temps. Et pareil, les divertissements, les actes du Seigneur suprême sont sans fin et ça ne s'arrête jamais. Dans l'existence, il y a deux types de création ou créature, éternelle et temporaire. Les éternels ne sont pas considérés comme créés. Parce que si on crée quelque chose, ça veut dire que cette chose n'existait pas encore. Et un jour, on l'a créé. Et si on crée quelque chose, un jour, ça va arrêter d'exister. C'est le principe des choses créées. Mais quand, des fois, nous disons cette phrase que Krishna a créé l'être vivant. En fait, ce n'est pas une phrase correcte parce que qualitativement, l'âme est égale à Seigneur. Si Krishna est éternel, sa particule est éternelle aussi. Si Krishna existait, sa particule existait aussi, parce que c'est sa propriété, sa particule. Et en fait, l'âme commence à agir quand Krishna lui donne en fait cette possibilité. On va voir quelle est cette possibilité. La première chose la plus importante, c'est que Krishna est la cause de toutes les causes. Des fois, on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la cause de toutes les causes, parce qu'en habitant dans ce monde matériel, nous sommes habitués de cette formule de cause et conséquence. Donc, chaque chose est conséquence de quelque chose, d'une cause. Et cette cause est la conséquence d'une autre chose. Okay? Par exemple, si je meurs, en fait, ma mort est la conséquence d'une cause comme maladie. Okay? Et la maladie est aussi une conséquence d'une cause de ma gourmandise, etc., etc. Comme ça, on peut aller. Mais pourquoi je suis gourmand?
parce que j'étais conçu par les parents de tel type. Pourquoi ils sont de tel type? Parce qu'ils étaient nés dans tel endroit. Pourquoi ils sont nés dans tel endroit? Parce que, etc. On va en arrière, et à la fin, on arrive à Krishna. Qu'en fait, tout ça est possible parce que Krishna existe. Et on peut dire, et Krishna, est-ce qu'on peut voir Krishna comme conséquence d'une cause? Non, le problème, c'est que avant lui, il n'existe personne. Si avant lui existe quelqu'un, c'est lui-même. Okay? C'est pour ça que Krishna est considéré comme la cause de toutes les causes. Hein? En fait, toutes les causes, comme on a compris bien, toutes les causes, tout type de causes, en fait, ne peuvent pas exister sans que Krishna existe. Si vous supprimez Krishna, vous supprimez toute l'existence. Comme par exemple, la lumière est là, on se voit, l'ordinateur est allumé, le chauffage fonctionne, l'eau chaude fonctionne, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a l'électricité. Il suffit de couper l'électricité, tout sera coupé. Donc en fait, ça c'est la description de Krishna comme la cause de toutes les causes. Et nous avons par exemple la faculté de penser, de désirer, etc. Pourquoi? Parce que Krishna existe. Parce que lui-même, il a ses qualités. Krishna aussi, c'est un être vivant. Nous sommes des êtres vivants. Nous pouvons désirer, réfléchir, rire, etc. Pourquoi? Parce que Krishna peut faire tout ça. On ne peut pas avoir quelque chose que Krishna n'a pas. Okay? Donc, absolument, on doit avoir de cet angle de vue. Même, nous avons dit ça plusieurs fois, même quand il s'agit du matérialisme, de l'athéisme, l'athéisme existe parce que Krishna existe. En fait, l'athéisme existe en Krishna. Hein? C'est très subtil pour comprendre. En fait, athéisme, c'est quand théo, c'est Dieu, c'est comment dire, la négation. Voilà, la négation de Dieu. Ça veut dire l'homme considère Dieu comme non-existence. Inexistant. Pourquoi? Parce que l'existence de Dieu lui dérange pour vivre. Vous pouvez dire comment c'est possible? Dieu, le contraire, il aide pour vivre. Mais cette catégorie des gens, appelée athéistes, l'existence de Dieu est dérangeante. Pourquoi? Tout en premier, parce que Dieu est au centre d'attention. Tout le monde se prosterne devant Dieu. Tout le monde dit si Dieu le veut, etc., etc. Mais nous, on est un peu marginalisés. Je ne suis pas au centre d'attention. Personne ne me sert. Tout le monde sert Krishna. Tout le monde chante son nom, etc. Ça ne m'arrange pas. En plus, OK, si je l'accepte, c'est encore pire. Si j'accepte Dieu, je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de manger de la viande, je dois arrêter d'aller dans des endroits mauvais, etc., etc. Ou autrement dit, en fait, l'existence de Dieu ne convient pas aux athées. Pour cette raison, qu'est-ce que les athées font? Ils inventent des théories comme quoi l'homme a créé Dieu. Ça, c'est quelque chose de très commun. Vous devez déjà entendre cette phrase. Dieu n'existe pas, mais c'est l'homme qui l'a inventé. C'est ce qu'on appelle une spéculation mentale. Nous,
la logique, en fait. La logique ne peut pas remplacer jamais, jamais ne peut pas remplacer la vérité. Hein. Nous ne pouvons pas, juste par la logique, arriver à une conclusion qui est égale à la vérité absolue. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que notre diapason de notre intellect, diapason de capacité de notre mental, n'est pas aussi grand pour arriver à saisir et comprendre la vérité absolue tout seul. Si on avait ce diapason tout seul y arriver, on veut dire « Ok, là, je comprends, je saisis et je peux vous confirmer que Dieu n'existe pas. » Mais nous ne pouvons pas aller aussi loin. Déjà, nous ne savons pas qu'est-ce que c'était ce bruit qui venait de l'extérieur. Est-ce que c'est une voiture qui ne démarrait pas ou est-ce que c'est à côté, il a percé quelque chose, on ne sait pas. Okay? Et on prétend de dire que Dieu n'existe pas. C'est vraiment, ça fait rire. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, tout d'abord, il doit comprendre, il doit savoir qu'est-ce que c'est Dieu et qu'est-ce que c'est l'existence. S'il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'existence, quel type d'existence existe en général, comment l'existence est manifestée, etc., s'il ne sait pas comment, il peut dire que Dieu n'existe. En plus, il ne sait pas qu'est-ce que c'est Dieu. Parce que quand tu dis c'est quoi Dieu, quand tu dis Dieu n'existe pas, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi qui n'existe pas? Il pense que c'est un barbu qui est assis sur les nuages. Il dit, voilà, ça n'existe pas. Bien sûr, nous aussi, on confirme que ça n'existe pas. Nous-mêmes, on compte. Mais parce que comment tu peux nier quelque chose que tu ne connais pas? Vous comprenez? Tout d'abord, tu étudies qu'est-ce que c'est Dieu. Après, tu peux le nier, dire qu'il n'existe pas. Tout d'abord, nous devons connaître ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. Parce que la connaissance de la Bhagavad Gita, c'est la connaissance sur Dieu, sur l'âme, sur le temps, sur le karma et sur la nature. Ces cinq sujets principaux qui nous permettent d'accepter ou nier certaines choses. Mais malheureusement, les gens qui sont tellement pris par la gratification des sens, ils se trouvent 24 heures sur 24 dans un état, entre guillemets, drogué. Hein? Il y a deux types de drogue. Hein? La drogue dans Rajaguna et la drogue dans Tamas. La drogue dans le tamas, c'est la drogue qui nous fait oublier les choses, complètement oublier et être insensible, complètement insensible aux choses, même s'il y a quelque chose qui arrive à vers nos sens, nous ne sommes pas capables de les saisir, de les saisir, voilà. On n'est pas capable. Par exemple, quelqu'un qui a bu trop d'alcool et il est par terre comme ça, donc il ne sait... Concevoir. Oui, percevoir. Donc il n'arrive pas même à percevoir ce qui est devant lui, même si ses propres enfants ou ses parents qui viennent, ils ne peuvent pas comprendre qui c'est, ils ne distinguent pas des choses. Pourquoi? C'est un état drogué, en fait. Parce qu'il ne se souvient même pas de son nom, etc. Il y a d'autres types d'états drogués, c'est rajas, c'est l'excitation. En fait, l'état d'excitation est fixé tellement fort sur l'objet de sens, tellement attaché, qu'il y a la concupiscence qui commence à prendre dessus
et en fait le lien avec son intellect, où est la mémoire, est coupé. Et pareil, ça c'est aussi un état drogué, mais actif. L'autre qui est un état drogué passif, ça c'est un état drogué actif. Pourquoi ceux qui gouvernent, en fait, ou ceux qui sont responsables de peuple, pourquoi ils sont censés toujours garder le peuple dans l'état drogué, passif ou actif, pour, en fait, que les gens perdent leur mémoire. Parce que dans la mémoire, dans notre intellect, est écrit notre devoir. Quand on est drogué, facilement, on abandonne notre devoir. Voyez, par exemple, les clochards et ivrognes qui traînent dans la rue, ils n'ont aucun devoir. Personne ne dit « je dois faire ceci, je dois faire ceci ». Ils n'ont pas de devoir. Et l'état conscient, en fait, l'état conscient d'un homme, c'est de connaître son devoir. Par exemple, tu te lèves le matin, tu dis « Ah, je dois chanter mes tours, je dois offrir à manger à Krishna, je dois courir au travail. » Tu te rappelles? Ça, c'est la perception de soi. Tu sais qui es-tu, n'est-ce pas? Tu sais qui es-tu, et selon cette perception de soi, tu commences à faire tes devoirs. Tandis que eux, ceux qui sont drogués, hein, peu importe, ils sont drogués en permanence ou en petites portions, ils sont dans un état où ils ne se souviennent plus de leur devoir. Et ça, c'est ça arrange les contrôleurs de la société. Pourquoi? Parce que quand tu oublies ton propre devoir, je peux t'en donner un autre. Hein? Je peux te dire, vas-y, mets ton masque, fais ceci, fais cela, donne ton argent pour bombarder l'Ukraine, fais ceci, fais cela, etc. Vous comprenez? C'est très bien, parce que nous avons oublié complètement notre véritable devoir, notre Sanatana Dharma, notre devoir comme éternel serviteur du Seigneur suprême, qui est notre vrai, unique et le plus important devoir. Nous, on le laisse et on nous donne des devoirs temporaires qui ne va pas avec Sanatana Dharma, qui ne va pas avec le devoir éternel que nous avons originellement. Donc, Seigneur Shiva dit que avant que ce monde matériel ait été créé, ton énergie matérielle était dans un état endormi. Endormi aussi, on peut comprendre comme comme inerte. Ça ne veut pas dire l'énergie était comme ça, était en train de dormir, mais inerte. En fait, c'est la qualité de l'énergie matérielle. Elle est jamais, elle prend jamais initiative. Elle commence à agir et manifester ses qualités seulement quand elle est en contact avec des autres énergies. Vous voyez, l'énergie matérielle est dans le Brahman impersonnel, mais elle ne manifeste aucune qualité, elle ne manifeste aucun désir, rien, jusqu'au moment où Krishna, hein, avec son regard, il vise son regard sur Brahman impersonnel, et son regard atteint l'énergie matérielle. Et il commence à se manifester. Okay? Par la suite, Krishna envoie
en fait, la conscience des êtres vivants dans le monde matériel. C'est une situation assez intéressante parce que donc pour pouvoir bien vivre dans le monde matériel, on doit avoir les principes du monde matériel, on doit connaître le principe d'action de ce monde matériel, comment ce monde agit. Par exemple, tous mes désirs, tous mes vœux doivent être temporaires, parce que le monde matériel est temporaire. Sinon, je ne m'intègre pas dedans. Si je demande des choses, par exemple, je demande à ma femme qu'elle soit éternelle, okay, elle ne peut pas, donc je ne peux pas vivre en pensant qu'elle est éternelle. Parce qu'un jour, elle va me la laisser, ou c'est moi qui va la laisser. Donc, et ça ne s'intègre pas dans le monde matériel. Ou par exemple, ces fleurs, hein, on a mis dans ce verre, donc, et on a dit, voilà, dans 5 ans, je vais les dessiner. 5 ans plus tard, ils sont devenus déjà un compost, ils n'existent plus. Okay? Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, moi, je dois avoir une perception de soi temporaire. Okay? Temporaire et qui prend en compte toutes les choses qui existent dans le monde matériel. Ça veut dire, je dois accepter que ce monde est temporaire, je dois accepter que ce monde... peut varier, peut devenir un jour agréable, un jour il peut devenir désagréable, un jour il peut être entre les deux, etc. Vous voyez ? Donc en fait, tout cela, c'est le principe de la vie matérielle, que je peux avoir la trahison ici, on peut me trahir, on peut me faire des saletés, etc. Être moi-même, je peux trahir les autres, je peux... mentir, etc., etc. Donc, en fait, tout cela, en fait, toute cette perception de ce monde matériel forme le faux ego. Comment ça se passe? En fait, imaginez, ça, c'est vous. Ça, c'est le monde matériel. Donc, en fait, la perception de soi se passe à travers... à travers la conscience. Le monde matériel a la conscience universelle. Okay? Cette conscience universelle est celle du monde matériel. Okay? Mais nous, on a notre svabhava, notre vraie nature, qui est notre vrai moi. Et quand ce moi se reflète dans cette conscience, okay, qui est déjà, qui a subi en fait des déformations par la perception de Rajas, Tamas et Sattva. Donc je me vois changer. Par exemple, quand vous êtes devant un miroir qui a des défauts, hein, vous dites ah, ça c'est un très bon miroir parce que je me sens plus maigre. C'est plus mignon, je suis plus haut. Voyez, il y a des filles qui adorent ce genre de miroirs. Et en fait, imaginez un miroir avec les défauts, en fait, et l'image que vous voyez dedans, ça c'est le faux ego. Okay? Moi, je me prends sur ce qui est dedans. Pourquoi? Parce que je me vois dans le monde matériel. Parce que mes désirs sont liés avec le monde matériel. Je me vois dans le monde matériel et cela veut dire que je me prends pour celui-là qui est reflété. Okay? Et désormais, je pense que je suis une femme, je suis un homme, je suis français, anglais, etc. etc. Je suis père de 5 enfants, etc. En fait, tout cela... c'est le reflet de perception de ce monde matériel.
Comme ça, le faux ego est créé. Okay? Comme ça, le faux ego se manifeste. En fait, ce faux ego devient visible seulement grâce à l'énergie matérielle. Si vous supprimez l'énergie matérielle, le faux ego sera plus visible. Dans le monde spirituel, pareil, notre vrai ego, se manifeste dans Chit-Shakti. Il se manifeste dans Chit-Shakti et là-bas, on a aussi perception de soi. Mais le miroir, il est OK. Il n'est pas défectueux. C'est pour ça que nous nous voyons exactement comme nous sommes. Okay? Tandis que dans le monde matériel, en fait, l'énergie matérielle, c'est ce support déformateur. Okay? Chaque fois, quand il y a un type d'énergie qui contacte l'énergie matérielle prend telle forme. Okay? Ça veut dire la présence d'une autre énergie est comme un milieu pour l'énergie matérielle pour qu'elle manifeste ses qualités. Comme par exemple l'eau. Quand vous mettez l'eau dans le frigo, elle manifeste la qualité de sa qualité solide. Okay? L'eau devient dure. Pourquoi? Parce que et c'est dans ce milieu-là. Si vous mettez l'eau dans le bouilloire, elle manifeste une autre qualité. Ça commence à s'évapore. Ok? Si vous la laissez telle qu'elle est dans les conditions normales, elle commence à couler. Donc tout ça, c'est des trois types. Manifestation de ses qualités, mais chaque fois, elle manifeste telle ou telle qualité selon l'environnement. Donc, en effet, chaque fois quand l'énergie, une énergie est en contact avec l'énergie matérielle manifeste, en fait, manifeste une des qualités. En fait, cette qualité est une énergie. Ce n'est pas comme ça que l'énergie matérielle, c'est une énergie et la qualité n'est plus une énergie. Chaque qualité est aussi une énergie. Tamas, Rajas, Sattva, ce sont des énergies. Ils ont aussi la nature énergétique. Ça veut dire, pour qu'une chose existe, il faut que cette chose soit une énergie. Si cette chose n'est pas une énergie, elle ne peut pas exister. Okay? Donc, il doit avoir la nature énergétique. Et comme ça, en fait, vous comprenez, en fait, cet élément appelé le faux ego, c'est le reflet de notre vrai ego dans la matière, dans l'énergie matérielle, ok? C'est un reflet. Et en fait, ce reflet, c'est une énergie, ok? C'est déjà une énergie ou, comme on dit, un élément. C'est le premier élément subtil de ce monde matériel, ok? Quelle énergie, en fait, pousse et quelle énergie est la cause de cette manifestation, qui est l'énergie principale. Parce que dans tout ce processus, il y a beaucoup d'autres énergies qui participent. Mais l'énergie principale qui est la cause de l'apparition de faux ego, c'est le désir. Icha Shakti. Okay? C'est Icha Shakti qui rentre en contact avec l'énergie matérielle et l'énergie matérielle manifeste son qualité comme faux ego. Okay? Icche Shakti aussi est manifesté à travers la conscience. Parce que sans avoir comme support
une conscience, nous ne pouvons pas avoir le désir. Parce que le désir se base sur la conscience. Comme par exemple, pour peindre, il me faut un support, une toile. Je ne peux pas prendre la peinture et peindre sur rien. Okay? Il me faut un support. Pareil, en fait, le support de Ichcha Shakti, l'énergie de désir, c'est la conscience. Okay? C'est la conscience. Sans conscience, ce processus ne peut pas se passer. Ok? Donc, par la suite, ce premier élément appelé faux ego, ce premier élément, il est en contact avec une autre énergie. Nous avons compris que ce faux ego, on appelle aussi Chidabhasa. Ça veut dire le reflet de la conscience, ou l'ombre de la conscience. Mais à son tour, ce faux ego, il rentre en contact avec le temps. En fait, le temps aussi est une énergie qui a une capacité d'évoluer les choses. Vous voyez ? En fait, chaque chose, quand elle est en contact avec le temps, cette chose subit des modifications. Si vous arrêtez le temps, rien ne changera. Tout sera pareil. S'il y a des choses qui changent, qu'il y a évolution, ou modification, ou transformation, c'est parce que ces choses-là sont en contact avec le temps. Par exemple, nous sommes en contact avec le temps, c'est pour ça que nous vieillissons. Okay? Si on supprime ce contact avec le temps, nous arrêtons de vieillir. Hein? Je parle du monde matériel, hein? Parce que le temps dans le monde matériel se manifeste d'une autre façon. Dans le monde spirituel, le temps se manifeste d'une autre façon. Ce n'est pas le même. Okay? Donc, comme on a dit que le faux ego, en fait, c'est le désir sur le support de la conscience. Et quand ce faux ego est en contact avec le temps, le faux ego commence à subir des modifications ou évolutions. Souvent, quand on lit ça dans Srimad Bhagavatam, nous pensons que le faux ego a complètement modifié et il ne reste plus faux ego. Tout devient autre chose. Non, une partie de faux ego. Okay? Comme par exemple, vous avez un sac de farine. Une partie, vous faites chapati, l'autre partie, vous utilisez comme, je ne sais pas, gâteau ou puri, etc. Mais le reste, vous gardez toujours sous la forme de la farine. Okay? Donc, d'où vient, en fait, cette nécessité d'avoir la transformation suivante, hein? Quand le faux ego rentre en contact prolongé avec le temps, il y a le mental qui se manifeste. En fait, ce mental-là, on a bien compris aussi que c'est une qualité de monde matériel, de cette énergie matérielle. Ok? Donc, ça veut dire la conscience comme support qui est devenu aussi un support de faux ego, maintenant il devient aussi le support de mental. Donc, parce que le faux ego, hein, c'est une perception de soi, cette perception de soi pousse ce désir et la perception de soi pousse à agir. Nous ne pouvons
pas agir tant qu'on n'a pas le mental. Okay? Le mental, c'est en fait la base ou l'outil le plus important fondamental de l'action. Tant qu'on n'a pas de mental, on ne peut pas agir. Même pour gratter la tête, on a besoin de mental. Moi, je ne connais pas trop l'ordinateur, mais c'est toi et Atmarama qui savaient. Moi, je me prends moi comme un cobaye. Ouais. Oui. OK, donc, comme ça, une partie de faux ego se transforme en mental. Ça veut dire se transforme en capacité d'agir. OK? Par la suite, quand le mental commence à agir, OK? Donc, il commence à avoir un passé de ses actions. Et pour pouvoir les accumuler, en fait, il faut un autre support. Parce qu'en fait, le mental, c'est le support de l'action. Mais il ne peut pas accumuler le passé de ses actes parce que ça va lui ralentir ou complètement arrêter son action. Imaginez que vous cuisinez un chapati, vous mettez sous votre bras, vous continuez à cuisiner un gâteau, vous mettez là, après vous cuisinez un sabji, vous mettez là, et après vous ne pouvez plus cuisiner parce que vous avez occupé toutes vos capacités d'action. OK? Donc il faut principalement un autre outil qui peut stocker. OK? Et en fait, encore sur le même support, en fait, de faux ego qui rentre en contact avec Rajaguna. Donc, le premier, c'était Sattvaguna, sous l'influence de temps. Sous l'influence de temps, quand il rentre avec Sattvaguna, il manifeste le mental. Et pourquoi Sattvaguna? Parce que Sattvaguna a une faculté de maintenir les choses, préserver les choses, maintenir les choses. Et si vous remarquez, en fait, en général, quand on a un mental dans le bon santé, entre guillemets, il préserve nos choses. Il est toujours comme notre serviteur. Il s'occupe de nous, il pense comment nous nourrir, il pense comment nous, arranger des trucs, etc., etc. Okay? C'est pour ça qu'en fait, le temps, grâce à la présence de Sattvaguna, manifeste le mental. Mais pour stockage, en fait, c'est le temps en contact avec faux ego et Rajaguna, en fait, fait manifester notre intellect. Notre intellect, en fait, a cette capacité d'accumuler des choses. Pourquoi Rajas? Parce que Rajas a une capacité de cupidité, d'accumulation. Par exemple, chaque guna aussi a ses aspects. Et une des aspects de Rajaguna, c'est accumuler des choses. C'est pour ça qu'en fait, ce contact de temps dans le milieu de Rajas manifeste intellect. Okay? Donc, par la suite, nous pouvons dire que le faux ego est là. Le mental est là, l'accumulation des actes et de mes pensées, etc., sont là, mais il me faut un corps qui est perçu par les autres.
Okay. Et j'ai besoin des corps des autres pour rentrer en contact avec les autres. Ça veut dire la communication. Okay. Pour la communication, en fait, on a besoin de tamaguna. Donc, tamaguna, en fait, assure une perception des choses que l'on prend pour la réalité. C'est pour ça que ça s'appelle tamas. Par exemple, quand on dit des choses, par exemple, quand on dit Dieu existe, les tamasiques disent « montrez-moi, montrez-moi ». Ça veut dire qu'il faut que ça soit perceptible pour que je vois. Tant que je ne vois pas, tant que je ne touche pas, cette chose n'existe pas. Et ça, c'est tamas. C'est un tamas qui exige que ces choses-là soient présentes. La présence des choses. C'est pour ça qu'une des... Vous vous souvenez, on a dit qu'il y a 5 couches de tamas. Hein? Tamisra. Tamisra, c'est quoi? Je sens que j'existe. Je me perçois. OK? Donc, j'existe. Mais je ne perçois pas Dieu, donc Dieu n'existe pas. OK? Ça, c'est une des manifestations de tamas. OK? Pareil, quand je ne vois pas comment la vie continue après la mort, hein, chaque fois je vois que quelqu'un est mort, il n'existe plus pour moi, donc je considère que cette personne n'existe plus. Donc il faut que je perçois absolument, il faut que je vois. Il faut que je touche, etc. Si je ne peux plus toucher cette personne, je ne peux plus le voir, il ne peut plus me parler, etc., ça veut dire qu'il n'existe plus. Et ça, c'est une des concepts de tamas, appelé antatamisra, qu'après la mort, tout est fini, rien n'existe, etc. Donc, troisième, c'est tamas. Un aspect de tamas appelé tamas. C'est que, toujours, c'est lié avec le même principe que quand on dit que nous sommes une âme, ils disent non, l'âme n'existe pas. C'est quoi l'âme? Où est l'âme? Montre-moi ton âme. Là, je vois le corps. Je peux le toucher, je peux l'embrasser, je peux le frapper, mais où est l'âme? Montre-moi. Tu parles, mais c'est ta langue qui bouge. Voilà, c'est pas l'âme. Donc, l'âme fait quoi? Ça bouge, ça anime le corps. Ils disent non, si tu ne manges pas, tu vas mourir. C'est ça qui, c'est la nourriture qui anime ton corps. C'est pour ça que ce corps grossier est appelé Annamaya Kosha. Anna veut dire la nourriture, c'est-à-dire ce corps qui est composé de la nourriture. Mais aussi, c'est Sharira. Avidyajal Jodendriyatayakal. Vous connaissez ce corps grossier, c'est un sac de tamas, de l'ignorance. Et quatrième, c'est quand on pense que nous sommes ce corps, si l'âme n'existe pas. Donc, je vois ça, j'ai envie de prendre ce téléphone et appeler, je prends, c'est qui? C'est mon corps, donc moi, je suis ce corps. Voyez? Et en fait, encore une fois, c'est lié à la présence et accessibilité par mes sens. Et cinquième, c'est la gratification des sens. Quand on pense que, en fait, ma vie, et la gratification des sens. Ça veut dire vivre, c'est faire plaisir à nos sens. Et ça, c'est le sommet de tamas. C'est pour ça qu'il est appelé Mahamoha. Moha, c'est un faux concept. Maha, ça veut dire le plus grand. Le plus grand faux concept, c'est penser que la vie, c'est gratifier nos sens, faire plaisir à nos sens. C'est le plus profond tamas, en fait,
qui existe en général. Donc, pour cela, quand le faux ego en fait veut entre guillemets matérialiser en fait ses désirs, donc il rentre en contact avec Tamaguna, et Tamaguna sous toute sa puissance et diversité manifeste tous les cinq éléments grossiers avec leur forme subtile, hein, je ne vais pas les répéter, vous les connaissez, et en fait la dernière manifestation de tamas, c'est la terre à laquelle on est le plus attaché. Vous voyez, on est, regardez, l'homme est plus attaché à quoi? À la terre, à son corps grossier. Moins à choses subtiles, moins. Par exemple, il y a des gens qui sont plus attachés à leur perception de soi intérieure comme mentale. Ils disent je suis un écrivain, je suis un grand compositeur, etc. Mais en réalité, 95% des gens sont convaincus qu'ils sont ce corps-là et ils sont le plus attachés à ce corps. Pourquoi? Parce qu'il est évident. Ce corps, il est évident, il est direct. Je peux le toucher tout de suite. Vous voyez, je suis là, je peux regarder, je mets mes chaussures, c'est direct. Vous voyez, en fait, la perception de soi est directe. Pourquoi? Parce que je suis tamasique. Je prends ce corps pour moi. Donc, l'énergie matérielle, donc, continue en fait à être cet environnement entre guillemets néfaste pour nous tant qu'on est dans le faux ego, dans l'idée de faux ego. Quand nous commençons à ne plus avoir le désir d'avoir quelque chose ici dans le monde matériel, lié à ce monde matériel, qu'est-ce qui se passe, vous savez? Le faux ego commence à disparaître. Si vous voulez vraiment supprimer le faux ego, en fait, il nous faut juste ne plus avoir le désir lié à ce monde. Vous comprenez? Comment on a dit le faux ego, c'est le reflet, le reflet de vrai. Okay? Et tant que ces désirs de faux ego sont liés avec le monde matériel, les trois gunas l'influencent tout le temps. Okay? Tout le temps influence et nous sommes toujours ici dans le monde matériel. Il suffit à travers le même support, conscience, changer en fait nos désirs. C'est comme vous avez une toile et il y avait plein de trucs dessinés dessus. Vous grattez et vous faites un autre dessin. Mais le support est le même. Ce support est la conscience. Sur le même support, consciemment, nous séparons de tout type de désir matériel. Et quand on n'a plus de désir matériel, le faux ego n'existe plus. Parce que le faux ego, en fait, c'est le reflet de nous dans ce monde matériel grâce à nos désirs. Vous supprimez vos désirs, ce reflet disparaît. C'est comme tant que vous êtes devant le miroir qui est déformateur et vous le regardez, vous vous sentez déformé. Mais s'il suffit de tourner et montrer le dos à ce miroir, vous comprenez, regardez un vrai miroir, en fait, l'autre image va disparaître. Okay? Donc, pour ce but-là, en fait, notre Yers Atmarama parlait beaucoup de Sadhana Bhakti, en fait. Notre Sadhana Bhakti, justement, c'est l'effort, en fait. C'est un effort que nous faisons pour faire disparaître les désirs matériels. Okay? Même ceux qui sont un peu sous l'influence de Tamas et Rajas, qui pensent que, en fait,
en faisant sadhana bhakti, ils peuvent faire disparaître en fait leur désir par leur isparnenya, par leur accomplissement. Par exemple, j'ai un désir d'avoir une voiture, ok, et ce désir me perturbe, etc. Mais je deviens un dévot de Krishna, je fais sadhana bhakti, un jour je supprime ce désir. Comment? Parce que j'ai acheté la voiture. Le désir n'existe plus. Vous comprenez le truc? Ça aussi, c'est une façon de faire disparaître. Mais le problème, que vous avez supprimé un désir, et il y a un autre qui va arriver, après un autre qui est arrivé. Et ça veut dire que nous n'avons pas eu la chance de pratiquer en fait, sadhana bhakti sous la direction d'un gourou authentique, d'un dévot qualifié, qui, d'une façon assez subtile, commence à nous détourner vers un autre désir, hein, vers le désir de bhakti. Voyez, peu importe comment on est venu dans la conscience Krishna, on est venu dans la conscience Krishna pour faire disparaître nos désirs, ou on est venu dans la conscience de Krishna pour accomplir nos désirs, peu importe. La présence d'un dévot qualifié, hein, d'un bhakta, en fait, automatiquement commence à changer nos désirs. Vous voyez? Et l'un et l'autre, les deux changent et nous commençons à avoir un autre désir, désir d'être un bhakta. Vous voyez? Dès qu'on a le désir d'être un bhakta, servir Krishna, devenir son serviteur, etc., en fait, nous sommes sur une voie sûre. Okay? Tandis que les deux autres, en fait, ce n'est pas automatique. Bien sûr qu'on va avoir un changement sans problème, on peut avoir, parce que le Saint-Nom a toujours ses qualités, les Krishna Katha a ses qualités, la personne change. Hein? Pourquoi la personne change? Parce qu'il y a des changements dans son intellect. Son intelligence commence à modifier. Hein? Par exemple, quand on dit éducation, hein? Quand on éduque les enfants, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On change le contenu d'intellect, ça veut dire c'est le travail avec l'intelligence. Tu dis, tu ne mets pas à gauche, tu mets à droite. C'est rentré dans son intellect et nous fonctionnons selon notre intellect. Et la conscience de Krishna, justement, c'est cette méthode où nous changeons en fait tout ce qui est enregistré dans notre intellect. Hein, par exemple, le mot amour, hein, si avant la conscience de Krishna, l'amour c'était avoir quelqu'un qui va devenir notre serviteur, qui va nous acheter des cadeaux, qui va gratifier nos sens, etc. Ça, c'est l'amour. Mais dans la conscience Krishna, nous changeons ce concept, nous changeons. C'est un autre concept que l'amour peut exister seulement entre une âme et Krishna. C'est la seule possibilité d'avoir cette possibilité de goûter l'amour. Ou par exemple, je ne sais pas, il y a tellement de choses, par exemple, la joie, la vie, l'existence, amitié, travail, activité, etc. Tout cela, en fait, ce sont des choses avec une certaine expérience enregistrée dans notre intellect. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous changeons notre intelligence grâce à la conscience Krishna, parce que nous disons, donc c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et vous savez où, en fait, est les difficultés? Qu'il y a des choses qui ne sont pas encore changées dans notre conscience, dans notre intellect. Et un jour, quand cette chose, c'est des choses qu'on utilise rares. Hein. Par exemple, à la maison, on a plein de trucs qu'on utilise tous les jours, comme des cuillères,
le couteau, la serviette, la veste, etc. Mais par exemple, pèse-valise, on utilise ça, je ne sais pas, une fois par deux mois ou trois mois, n'est-ce pas? Imaginez, vous avez tout changé chez vous, mais pèse-valise n'est pas changé. Et un jour, quand vous l'utilisez, il est pas changé et puis il peut de nouveau rappeler les anciens concepts qui étaient liés avec lui. Par exemple, ces mauvais voyages, mauvaises expériences, etc. Okay? C'est pour ça que l'éducation spirituelle d'un enfant se passait dès son enfance pour que les faux concepts ne rentrent pas dans sa tête, pour que ce soit plus facile après lui expliquer les matières plus hautes, etc. Donc, Seigneur Shiva, il dit qu'en fait, comme ça, le monde matériel apparaît. Donc, encore une fois, si on fait un bilan de tout ce qui était dit, nous voyons que, en fait, la cause de changement ou d'apparition de ce monde, c'est le désir des êtres vivants qui sont liés à l'énergie matérielle. Mais si vous vous souvenez, le début de verset, Seigneur Shiva a dit que Krishna est la cause de toutes les causes. En fait, la cause que l'apparition de ce monde est liée au désir des êtres humains, la cause de ça, c'est Krishna. Parce que c'est Krishna qui pousse les gens, en fait, de venir ici. On peut dire, mais pourquoi il nous pousse ici? Pourquoi il ne nous pousse pas, il ne nous met pas dans le monde spirituel? Parce qu'il nous laisse choix. C'est là où il se manifeste comme une cause. Il dit, je suis la cause. Ou tu vas dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, choisis. Okay? C'est comme ça aussi, il joue le rôle de la cause. La cause. Mais aussi, sachez que si l'être vivant vient dans le monde matériel, le Seigneur suprême vient aussi. C'est important. Pourquoi? Parce que chaque être vivant est lié avec Krishna. Hein? Krishna est conscient de ça toujours. Nous, on n'est pas toujours conscient. On oublie. On oublie que, en fait, on est lié à Krishna. On pense que c'est moi ici le chef. C'est moi qui décide. C'est moi qui... etc. Ok? Bon. Allez, Krishna. On va s'arrêter aujourd'hui là. Si vous avez des questions, des commentaires, des... Merci beaucoup pour votre conférence. Seigneur Shiva a dit que Krishna est la source, la cause de toutes les causes. Ça m'a rappelé aussi que Krishna est c'est lié au mot inconcevable, achintya. Et ma question, c'est on sait aussi que Krishna englobe en lui les qualités antagonistes. S'il a l'inconcevabilité, il doit exister Est-ce que vous pouvez expliquer sur ça, s'il vous plaît? En fait, Krishna est marqué comme inconcevable, comme achintya. Mais, en fait, la même énergie, chintya et achintya, c'est la même énergie. En fait, dans un contexte, cette énergie agit sur notre conscience de telle façon qu'on ne peut pas concevoir Krishna,
et dans les autres conditions, la même énergie fait de telle sorte que nous pouvons le concevoir. C'est la même énergie. Hein. Pour que ça soit compréhensible, prenons la température. Okay? La température, hein, par exemple, on peut cuisiner sur un feu qui commence à avoir 100 degrés, 120 degrés, 150 degrés, on peut déjà cuisiner. Okay? Mais quand on baisse la température, on arrive à 3 degrés, 0 degrés, on ne peut plus cuisiner, n'est-ce pas? Mais si vous descendez la température jusqu'à minus 70, vous mettez sur un poêle, vous mettez une courgette, ça va cuire. Ça va tout de suite cuire. Ou vous, si vous mettez votre... Hare Krishna. Si vous mettez votre doigt sur un métal qui est moins 70 ou moins 150, il va tout de suite brûler votre doigt. Et c'est, en fait, c'est la même énergie, c'est le feu. Quand le feu va, en fait, la température, c'est un aspect du feu. Mais cet aspect va dans deux sens. Comme la lumière va dans deux sens. De son extension et dans son compansion. Okay? Quand c'est compensé, ça devient noir. Quand ça va vers l'expansion, ça devient blanc. Compression. Okay? Quand ça va vers compression, en fait, ça va vers le noir. Quand ça va vers expansion, ça va vers blanc. Et pareil, toutes les énergies ont les deux extrémités. Okay? Par exemple, vidya, l'énergie de savoir, dans un sens, ça va vers le vidya, dans l'autre sens, va dans avidya, dans l'ignorance. Mais c'est la même énergie, en fait, qui provoque la connaissance et ignorance. Okay? Pareil, Chintya et Achintya, c'est deux aspects de la même énergie, hein, l'énergie de la perception. Okay? Et dans certaines conditions, nous pouvons, en fait, si Krishna veut, en fait, il utilise cette énergie pour qu'on puisse le concevoir. Okay? Ou s'il ne veut pas qu'on le conçoit, il fait de telle sorte que cette énergie nous montre des choses impossibles. Comme par exemple, je peux donner un sac de pommes de terre et dire tu peux éplucher. Tu dis bon, ok, 3 heures, je vais éplucher en 3 heures un sac de pommes de terre, ok. Mais si je te donne 50 tonnes de pommes de terre, je dis tu dois les éplucher, tout de suite, en fait, ton regard sur cette affaire ou vers les pommes de terre, pour tes capacités, tout de suite, tu deviens impuissant, n'est-ce pas? Quand on te donne 50 tonnes, tu deviens tout de suite impuissant. Tandis qu'on donne une pomme de terre, tu te sens puissant. Mais c'est la même matière, hein? Les pommes de terre, c'est la même matière. Mais en changeant la quantité ou le contexte, tout de suite, la perception de soi-même change. N'est-ce pas? Pareil, quand Krishna veut qu'on le conçoit, il arrive dans la version réduite ou compréhensible, etc. Mais quand il ne veut pas qu'on le conçoit, il prend les mesures sans fin et on ne peut pas le concevoir. Même pour lui-même, en fait, il joue le même jeu. Quand il se concentre sur soi-même, Krishna, il dit, finalement, je peux me concevoir.
Et quand il commence à se concevoir, il pense qu'il est arrivé à ses limites, mais il n'y a pas de limite. En fait, l'autre Krishna montre l'autre direction de la même énergie où il devient inconcevable. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, et donc Krishna devient conçu pour nous en rasa. J'ai bien compris. J'ai pas compris. Vous avez dit que pour qu'on, peut, pour qu'on puisse le concevoir, il se met dans une forme comprise. Oui, oui. Et donc, c'est pas compressé, mais il en fait donne telle partie de soi qui soit concevable pour nous. Hein? Concentré. Pas forcément concentré, non. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Par exemple, Krishna montre imaginez que Krishna montre une partie de son opulence aux habitants de Vraj. En mer Yashoda. Ok? Par exemple, quelle est cette partie? Par exemple, quand il a mangé de la terre, hein, Balaram a dit qu'il a mangé de la terre, il faut le punir, etc. Il a dit montre, ouvre ta bouche pour que je vois si tu dis la vérité ou non. Et quand il a ouvert la bouche, Mère Yashoda a regardé dedans et là, elle a vu un aspect de Krishna, en fait, qu'elle ne peut pas concevoir. Ok? Elle a regardé, elle a vu, en fait, l'espace, le monde spirituel, le monde matériel, et elle a vu la terre. Après, sur la terre, elle a vu Vrindavan, elle a vu sa maison, elle a vu qu'elle est en train de regarder dans la bouche de Krishna, et elle voit dans la bouche de Krishna toute l'existence, et dans l'existence, elle voit la terre, et sur la terre, elle voit leur cour, et dans la cour, elle est en train de regarder la bouche de Krishna, et après, elle regarde dans la bouche de Krishna, elle voit tout l'univers. C'était inconcevable. Parce que Krishna a montré cette partie inconcevable. Mais après, quand elle a Krishna a retiré en fait cette énergie, il a donné une autre partie de cette énergie. Mère Yashoda a pris la partie concevable pour elle. C'est Krishna est mon fils. Et il a fait des bêtises, maintenant je vais le punir. Ok? Donc c'est pas, ça c'est cette partie concevable. Ok? Donc, il est concevable et inconcevable. Ça ne veut pas dire que si on dit qu'il est inconcevable, il ne peut pas être concevable. Comme Krishna peut être bon et il peut être mauvais. Mais il ne faut jamais penser qu'en fait, Krishna, la vérité absolue, est relatif. Okay? Par exemple, dans le monde matériel, tout est relatif. Okay. Par exemple, je suis faible hein, parce que Georges est à côté de moi. Il est plus fort que moi. Mais je suis plus fort que Yumi, par exemple. Okay. C'est relatif. Mais quand on prend la vérité absolue, le principe d'être relatif n'est pas applicable. Parce que Krishna est en même temps faible et fort par rapport à Georges et Yumi. Il peut être les deux en même temps. Par exemple, je ne peux pas être plus fort que Georges parce qu'il est plus fort que moi. Tandis que Krishna peut être et plus fort que Georges et moins fort que Georges. Et plus fort que Yumi et moins fort que Yumi. Oui. C'est pour ça qu'il est absolu. On ne peut pas appliquer les principes de la relativité sur l'absolu. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est tous les jours.
Merci. J'ai une question pour rebondir sur l'idée de axe, parce que vous venez d'expliquer que Krishna c'est plutôt un axe de deux pôles, une extrême et l'autre. Mm-hmm. Et on a parlé aujourd'hui un peu de la création de l'univers et comme il était là avec les trois gunas. Et c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi dans ce cas est-ce qu'on favorise sattva, on associe Vishnu et Krishna avec sattva, au moment quand tout était là, au moment de création, et continue à être là avec Krishna? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser tous les trois gunas pour arriver à Krishna? Normalement, nous, chaque dévot utilise tous les trois gunas pour servir Krishna. D'accord. Parce que, en fait, tous les actes de ce monde matériel se passent grâce à la présence de trois gunas. Si vous supprimez les trois gunas, tout type d'acte dans le monde matériel va s'arrêter. Le corps matériel va s'arrêter aussi. Donc, on a dit que cette énergie est inerte. Okay? Donc, et pour qu'on ait des actes, des mouvements dans ce monde matériel, il nous faut trois gunas. Mais un pur dévot, il peut utiliser les trois gunas sans être affecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, imagine que je nettoie mon évier à la maison avec l'acide chlorhydrique, mais mes mains ne sont pas abîmées. Toi, tu nettoies et tout de suite, ta peau commence à gonfler, il y a le sang qui coule, etc. OK? Donc, tu ne prends pas dans un de ces versets. Dans un de ses commentaires, il dit que nous devons apprendre à satisfaire nos besoins sans exciter les sens. Ok. Sans exciter les sens. Par exemple, tu manges, mais tu n'excites pas la langue. Mais est-ce que ça, c'est pas sattva? Est-ce que ça reste quand même dans les trigunas? En fait, on utilise triguna. Pourquoi? Parce que si on n'utilise pas trois gunas, on peut ne pas manger. On va dire, je vais jeûner aujourd'hui. Ok. Je vais dire, je vais jeûner ou je vais donner mon repas à Yumi. Et je ne vais pas manger aujourd'hui. Je pense que l'exemple comme dormir, c'est un maguna. Oui. Mais on a besoin de dormir pour faire une... Le sommeil, c'est tamas. Oui. Mais si on ne dort pas, on ne peut pas régénérer notre corps. Okay? Mais si on dort plus, nos sens sont affectés. Hein? Nos sens sont affectés. Ils commencent à être excités. Dès qu'ils excitent, nos sens sont excités, on dort plus. Si on dort plus qu'il faut, le corps commence à dégrader. Du coup, c'est plutôt l'idée de trouver un équilibre entre les trois gunas, pas d'exclure. En fait, l'équilibre, ce n'est pas comme ça. Si je te dis, tu dois avoir 30% de rajas, 30% de sattva et 30% de tamas, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des situations, par exemple, il y a certaines situations dans lesquelles il faut appliquer 70% de rajas. Par exemple, quand Arjuna était sur le champ de bataille, okay, il y avait des situations où il fallait vraiment appliquer 70%, des fois 80% de rajas pour pouvoir se battre. Parce que si tu es... reprenons le contexte de la annonciation de Bhagavad Gita, quand Krishna... l'a amené au milieu de deux armées. Okay? Arjuna, à ce moment-là, n'était pas en rajas, il était complètement en sattva. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu ses frères, etc. Il était dans le sattva, entre guillemets, mais il a dit, je ne vais pas me battre, je vais aller, je vais faire la méditation, je vais renoncer tout, etc. Et Krishna n'a pas dit, oh, tu es dans le sattva. Il a dit, tu es dans le tamas.
Krishna a dit, c'est la sur qui a pris ta conscience, le tamas qui a pris. Okay? Donc, il dit, sors de ce tamas et va te battre pour moi. Okay? Il faut sortir de tamas. Mais pour sortir de tamas, il faut appliquer un autre guna pour sortir de tamas. Parce que tamas, c'est très profond. Pour sortir de tamas, il faut appliquer rajas et sattva. Okay? Des fois, pour sortir de tamas, sattva n'aide pas, il faut un peu de rajas. Avant de passer au tamas, des fois, il faut un rajas. Et si vous regardez bien... Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, à sattva. Pour passer de tamas à sattva, on a besoin d'un rajas. Voyez, si vous regardez dans la Bhagavad Gita, au milieu, en fait, Krishna commence à l'exciter un peu. Non? Il commence à l'exciter un peu et là, en fait, surtout quand il montre son forme universelle, etc., il y a un peu de rajas. Hein? Rajas, ce n'est pas seulement, vous savez ça, quand on dit « waouh !» Oh, ce n'est pas seulement ça, le rajas. Le dégoût, quand on dit « waouh !» ou quelque chose qui ne nous plaît pas, etc., ça aussi, c'est rajas. Et en fait, quand il a montré la forme universelle à Arjuna, Arjuna a eu cet effet. Au départ, il a regardé oh, comme ça, et après, il a dit, s'il te plaît, enlève-moi ça. Ça, c'était le moment de rajas, et Krishna a profité de ça. Il a montré quatre bras, la forme à quatre bras, après, il a montré la forme à deux bras pour faire la suite directement. Il a utilisé cet état mental un peu rajasique, on peut dire, que Arjuna avait, il a passé à sattva. Mais en réalité, en fait, tout ça, c'est un spectacle. Hein? Parce qu'Arjuna, c'est un pur dévot. Et en fait, quand on dit qu'il était sous l'influence de rajas, tamas ou sattva, sachez que Yoga Maya, en fait, qui dirige tous les dévots, en fait, qui sont abandonnés à Krishna, et elle peut montrer des choses pareilles, des choses de tamas, de rajas et de sattva. Dans le monde spirituel, il n'existe pas rajas, tamas et sattva. Mais vous pouvez voir les situations des épisodes où vous pouvez dire, bah, regardez, ces dévots sont dans rajas, les gopis, elles sont dans rajas. Regarde, elles laissent ses maris à la maison, ses parents, et en milieu de nuit, ils vont danser avec Krishna. Ça, c'est rajas, on peut dire. Non. Mais en fait, c'est Yoga Maya qui agit comme ça, hein, comme si c'est rajas. Mais ce n'est pas rajas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sous l'influence de Yoga Maya, ils n'oublient pas Krishna. Tandis que ceux qui sont sous l'influence de Mahamaya, ils oublient Krishna. Okay? Donc Yoga Maya peut manifester cette forme des choses. Okay? Mais ils sont tous purs, ce n'est pas contaminant. Tous les trois gunas d'énergie matérielle ici sont contaminants, mais les choses un peu qui ressemblent en fait, qui un peu ressemble en fait à ces trois gunas, mais dans le monde spirituel ou dans le monde matériel, mais sur les purs dévots, en fait, ils ne font pas oublier Krishna. Au contraire, ils rappellent Krishna. Donc, Yoga Maya est tellement puissant qu'elle peut aussi jouer, montrer des, entre guillemets, des faux rajas, faux tamas, faux sattva. Quel serait un exemple de faux tamas, par exemple, un moment de tamas où il est bienveillant, disons? Mais justement, au début de Bhagavad Gita, Arjuna montre comme s'il est sous tamas. Okay? Okay. Mais en fait, c'était nécessaire, c'est Yoga Maya qui a joué. Pourquoi? Pour que Krishna explique la vérité, qui raconte la Bhagavad Gita. Ou par exemple, les... Yudhishthira avec ses frères, ils ont joué au dé
Okay? C'était un coup de tamas et rajas surtout. Okay? Et ils ont tout perdu dans le rajas et c'était un jeu d'hasard. Mais comme plus tard, Yudhishthir lui-même dans la Mahabharata, il a répondu à cette question, pourquoi ils ont joué, ils avaient Krishna, pourquoi ils ont joué ça. Ils ont dit, comme ça, tout le monde entier comprend que jeu d'hasard, c'est mauvais. Si on peut dire que Bhatma Mala qui mange beaucoup, il a encore un petit peu plus, c'est, dans le monde matériel, c'est le signe du tamas, mais ce n'est pas le tamas pareil. Oui, 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 non. Plein de choses. Par exemple, Krishna qui crache dans le puits, et ses copains aussi crachent dans la pluie. Dans le puits, en fait, c'est rajas et tamas. Ça ne se fait pas selon les règles et prescriptions. Mais quand c'est eux qui font sous l'influence de Yoga Maya, c'est autre chose. Ou quand ils volent le beurre. Il y a plein d'actions comme ça qu'on peut considérer comme tamas et rajas, mais ce n'est pas tamas et rajas parce que Krishna est là. Mais est-ce qu'il est toujours là? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de vrai tamas. Là, il faut que tu saches que là où il y a l'influence de Yoga Maya, Krishna est là. Dès que Yoga Maya se retire complètement, Krishna n'est plus là. Elle n'est pas toujours là? Qui? Yoga Maya? En fait, elle est toujours présente, mais elle ne s'impose pas. Tant que tu ne veux pas Krishna, elle ne s'impose pas. Dès que tu veux Krishna, elle arrive, elle te rappelle Krishna. Parce qu'en fait, elle est la copine de Bhakti, Yoga Maya. Bhakti aussi, elle ne s'impose jamais. C'est pour ça que pour obtenir Bhakti, il faut vouloir Bhakti. C'est la seule condition. Si tu ne veux pas Bhakti, Bhakti ne va pas venir et s'imposer. Parce que Bhakti est basé sur la propre initiative de la personne. Mais est-ce qu'il n'y a pas de moment dans la vie quand on est un peu testé et après une situation compliquée, on retrouve la voie, disons? Parce qu'il y a des situations compliquées ou sensibles. Oui, et grâce à ça, quand on n'avait aucune volonté, en fait, c'était la vie qui nous a jetés dans la situation, on se retrouve dans un milieu où on trouve la... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas comme ça que nous sommes venus à Yoga Lyrique et on est déjà des purs dévots. On est assez loin de cette compréhension, mais nous nous engageons chaque fois quand on vient à Yoga Lyrique ici, encore un millimètre de plus, nous nous engageons dans la conscience Krishna. Chaque fois un peu plus en plus. Quand on sort, on va dans un autre contexte. Et notre engagement, notre abandon n'est pas encore très fort. Les trois gunas peuvent de nouveau, comme tu as dit, la vie nous met, qu'est-ce que ça veut dire, la vie nous met dans certaines conditions. Ces certaines conditions, c'est les trois gunas. Et ces trois gunas sont liés à nos désirs. Et nos désirs forment le faux ego. Si tu arrêtes ces désirs, en fait, les gunas vont te laisser tranquille. C'est le contraire. Ils vont t'aider. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il te faut pour ton service dévotionnel? On va t'aider. Tant qu'on a encore ces désirs, toujours les trois gunas sont toujours là. D'accord. Merci beaucoup. Hare Krishna. Yumijan, ta question, on verra demain. Parce qu'il est tard. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna.